In 2022, the Economic Community of Central African States, ECCAS, created the High Business Council, HBC, in Central Africa with the support of the ICRO facility. What is the HBC and why is it important? Il y a eu au cours d'un des sommets de la CEAC l'expression de cette volonté d'entendre le secteur privé qui devenait de plus en plus dans les politiques nationales des États le moteur de la croissance, le créateur de richesses. Le Haut Conseil se tient comme l'interlocuteur, porteur et promoteur des voix et préoccupations et des attentes du secteur privé vis-à-vis de la communauté. Nous voulons être l'interlocuteur de référence des autorités au niveau communautaire, l'interlocuteur privilégié des institutions régionales pour accompagner le processus d'intégration et aussi contribuer à l'opérationnalisation de la zone de libre-échange. The HBC was created by ECCAS, the community organization uniting 11 Central African countries. The HBC establishes a permanent mechanism for dialogue between the member states of Central Africa and the representatives of their private sector. Its objective is to enable organizations representing the private sector to voice the expectations of businesses and entrepreneurs as effectively as possible in the development and implementation of public policies. Dans le processus de développement d'une communauté économique régionale comme la CEAC, il y a besoin de mobiliser les ressources. C'est pour financer les projets intégrateurs. Nous attendons vraiment une dynamique au niveau du dialogue entre les administrations publiques, la communauté et les opérateurs privés pour développer un projet commun de développement de notre communauté à moyen long terme. Through the ICRO facility, the European Union is supporting ECCAS desire to accelerate regional integration process and create a conducive business environment in a sustainable and equitable perspective. Ce Haut Conseil a pour vocation d'accompagner dans la durée le développement du secteur privé comme acteur essentiel de la croissance et du développement. De manière beaucoup plus générale, c'est aussi une activité qui s'inscrit dans notre objectif de favoriser la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine destinée à devenir un grand marché continental unique assurant la libre circulation à la fois des biens, des personnes, des services et des investissements. Creating a more conducive and gender-sensitive business environment creates opportunities, particularly for women and youth, and stimulates economic growth and sustainable development.